Hey, salut tout le monde, c'est FNXP. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. On est en match mort par équipe sur la map Baccarat. Baccarat, c'est une map que j'aime bien. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Oui, j'avais déjà fait une vidéo. C'était à la MP7 au tout début du jeu. D'ailleurs, je vous invite à passer voir un petit peu mes anciennes vidéos sur ce jeu. Parce que je vois pas mal de personnes dans les commentaires qui me disent de faire une vidéo avec une arme alors que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et ils le savent pas forcément parce que peut-être qu'ils étaient pas abonnés à ma chaîne au moment où je l'ai fait. Ou tout simplement parce qu'ils étaient passés à côté. Alors c'est pour ça que j'ai fait une playlist avec toutes mes vidéos commentées sur ce jeu. Je le ferai apparaître en annotation et vous n'avez qu'à cliquer pour avoir accès à toutes mes vidéos sur Modern Warfare 3. Alors pour ce gameplay, je joue à la S50. La S50, c'est un sniper sur lequel je vous ai déjà fait une vidéo. Vraiment un gros coup de cœur pour moi. Son zoom fait vraiment son charme, hein. C'est vrai que moi, généralement, je joue avec, quand je me lasse un petit peu, des snipers normales. Et quand je reviens avec ce sniper, c'est vraiment un régal. Il y a des sensations qu'on retrouve pas avec les autres snipers. Il est juste énorme, son zoom, mais c'est... Je sais pas, il a un petit truc supplémentaire par rapport aux autres. En plus, on se prend très peu d'hitmarker. Mais franchement, quand je retourne avec, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. D'ailleurs, là, il me semble que c'était ma première partie depuis un bon moment avec. Actuellement, je l'ai en or et là, je l'avais en automne. La partie date d'il y a 2 semaines, je crois. A savoir que là, mes amis, comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, enfin, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai eu une semaine assez chargée. Je vais vous faire un petit peu le débrief parce que c'est vrai que dans les commentaires, je vois souvent des personnes qui me disent « Allez, FNXP, parle-nous un peu de toi, parle-nous un petit peu de ta vie, etc. » Alors, honnêtement, moi, ça me dérange pas. J'ai pas non plus m'attardé, hein, 3615 ta vie. Je vais pas non plus vous raconter que hier à 15h, j'ai été démouler un cake. Non, plus sérieusement. Cette semaine, c'était assez chargé, comme je vous l'ai dit. Déjà, mercredi après-midi, j'ai dû rester au collège, comme je vous l'avais annoncé, pour finir des trucs. Le vendredi soir, j'ai été passer des radios, je suis rentré assez tard, et du coup, bah, j'ai pas pu vous proposer de vidéos commentées à l'avance. Parce que généralement, enfin, j'ai essayé de m'organiser justement pour cette semaine. Étant donné que j'étais pas très disponible, j'ai préparé des vidéos à l'avance, et c'est pour ça que j'ai quand même pu vous en poster. Vendredi, j'ai posté la vidéo avec Memphis quand même à 15h, j'avais programmé la minuterie. Le samedi, comme je vous l'avais dit, j'ai été à une vente en Allemagne. Du coup, pas là de la journée, départ 7h, rentrée 22h. Le dimanche, j'ai posté le Team Tag, même si j'ai passé ma journée sur mes devoirs et plus particulièrement sur mon allemand. Une tonne de devoirs, franchement, contrôle de verbe irrégulier, rédaction d'anglais, d'allemand. Donc je vous laisse deviner ce qu'a été mon week-end, hein, j'ai passé... Vraiment, mon week-end en Allemagne, c'est le cas de le dire, parce que le samedi, une vente en Allemagne, et le dimanche, devoir d'allemand. Le lundi soir, conseil d'administration, je rentre à 21h, et le lendemain, devinez ce qu'il y a, mardi, j'avais devoir type brevet sur la Seconde Guerre mondiale, et j'avais un oral sur mon stage qui s'était déroulé en décembre. Ça s'est bien passé, mais voilà, là je suis sorti vraiment de la période difficile, une semaine très chargée, j'ai vraiment pas eu beaucoup de disponibilité, même si je m'en suis pas trop mal sorti niveau vidéo, parce que j'en avais prévu à l'avance. Vous avez eu donc la vidéo avec Memphis de 16 minutes, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et le Team Tage que j'avais annoncé depuis un bon moment, qui est sorti ce dimanche. Je mettrai une petite annotation ici pour aller le voir. D'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires, il a plu à pas mal de personnes. Alors ça nous a fait super plaisir à la team, parce que c'est vrai qu'on s'était pas mal investi dans ce Team Tage. Je pense notamment à Fred alias Devil Batsen 21, qui vraiment avait passé pas mal de temps à aller chercher les clips, à filmer dans le mode studio. Parce qu'il faut avouer que dans la team, on n'est pas beaucoup à avoir des PVR, on doit être 3 ou 4, un truc comme ça. Donc tous les clips étaient sur Modern Warfare 3 quasiment, sauf moi, j'en avais sur Code 4 et sur MW2. Mais c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur ce Team Tage et on était assez content des retours qu'il y a pu avoir. Alors là, mon Pavlo a fait un sacré carnage, hein, vous avez pu voir, il a dû me faire une dizaine de kills. Le score final va être assez élevé, ça a été un beau massacre. En plus, la partie n'a pas duré très longtemps, c'est pour ça que je me permets de dire massacre, hein, parce que le score va être assez élevé. Bah, je peux vous dire maintenant, ça va être 35 à 6, et la partie va durer très peu de temps. Elle va durer à peu près 4 minutes 30, un truc comme ça. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'était un petit peu une vidéo retour, j'ai envie de dire, même si je vous avais quand même posté des vidéos, mais pour annoncer un petit peu que je suis plus disponible, je pourrais plus répondre à vos messages, et j'en revis parce que j'en avais marre de passer mes journées au collège à faire mes devoirs. Enfin bon, voilà, 35 à 6, ce fut une bonne partie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce vert dans les commentaires, ça fait super plaisir, et moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.